La soirée se poursuit avec le groupe 25 de l'EPSS de CY Sergi Paris Université. Avec Priscilla, Pauline, Alexia et Sophia. Elle prépare en diplôme d'État éducateur spécialisé assistant de service social. Elles ont pas mal de fans dans le public. Leur relais est Agathe Pénicaud. Elles sont mises en scène par Bélène Lorenzo. Le titre de leur scénette, Vice et Versa. Et tu es toujours en train de lire. Ça suffit. À 14 ans, tu devrais savoir m'obéir. Vu que tu ne peux pas dormir, tu vas aller prendre l'air. Mais non, papa, s'il te plaît. C'est l'hiver, je suis en pyjama, s'il te plaît. Ça t'apprendra, tu prendras l'air. Mais non, ouvre-moi, papa, s'il te plaît. J'ai peur. J'ai froid. S'il te plaît. J'aurais aimé commencer cette histoire par « Il était une fois », mais malheureusement, elle ressemble plus à un film d'horreur qu'à un conte de fées. Je m'appelle Eva, et aujourd'hui, devant vous, j'ai peur. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien? Non, non, ça va, je suis un peu malade en ce moment. Mais non, ça va pas, regarde, on dirait que t'es en pyjama. C'est pas une tenue. J'aimerais qu'on prenne un temps toutes les deux. Si t'as un problème, tu peux m'en parler. Elle, c'est celle qui va changer ma vie. Et elle sait pas encore à quel point. Je lui ai tout raconté. Les cris, le froid, la peur. Vous savez, celle qui ne vous quitte pas. Comme une sangsue. Ma compagne de tous les instants. Ah, ben enfin ! Merci, j'ai failli attendre. Salut tout le monde, ça va ? J'espère bien que non, que vous ayez tous mal. J'ai plaisir à m'immiscer dans toutes les situations, pourvu que ça se passe mal. Le doute, la colère, la tristesse, c'est moi. Plus ça souffle et plus je kiffe. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas de baguette magique, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu vas devoir faire une épée et l'envoyer à la crypte. Elle va passer devant le JE et en plus, vu les foyers qui sont blindés, elle va finir à la rue. Quoi? Ça veut dire que je vais te placer? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous avez pensé. Si, 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 on va même le dire à tes parents. Ah non, pas les parents. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais seulement que tout s'arrête. J'aurais jamais dû vous le dire. Et puis je vais aller où? Je vais devoir changer d'école? Et puis on va me harceler? Je vais être toute seule? Je préfère crever! L'histoire qui se déroule sous vos yeux, c'est aussi l'histoire de celles qui nous viennent en aide. Car elles savent mieux que personne, comme parfois la vie peut être laide. Il n'y a pas de... Être assistante sociale, c'est une bouée de sauvetage. Un saut sans étage. Il n'y a pas de remède dans la misère. Les services sociaux, quel que soit l'usager, c'est cette bouée. Alors on peut ne pas la saisir, s'engluer, s'engloutir, ou la saisir. Parce qu'elle est là. Malgré les embûches, le manque de moyens, les lenteurs du système. Avec un peu de mouvement et de cœur, cette bouée peut nous aider à regagner la terre ferme, sain et sauf. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui m'a mis ça là, sérieux? Oh, l'amour? L'amour, c'est toi. Hé, je t'attends, l'amour. Viens, ramène-toi. Bon, question de budget, je suis aussi l'amour. Donc la confiance, la solidarité, l'empathie, l'espoir, c'est moi. Ouais, ça va, hein, tu vas pas me foutre la sonnette en l'air pour une fois que c'est moi qui ai le premier rôle en plus. Et tu sais quoi, l'amour? De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je fais ce que je veux. Comme d'hab la peur, moi d'abord, toujours moi.
Ça suffit maintenant. J'ai pas choisi ce métier pour me laisser envahir par toi. Alors, si tu permets, ensemble, tous ensemble, on va aider Eva. Vous êtes sûre? On va s'accrocher. Je vous fais confiance. Voici mon histoire. C'est une histoire vraie. Celle qui a fait que je suis moi-même devenue assistante de service social. Ce n'est pas un conte de fées, mais j'ai eu la chance qu'il se finisse bien. Et c'est ainsi que le vice de la peur versa dans l'amour.